ce n'est pas l'écran principal de ce GPS. L'écran principal, on le retrouve en appuyant sur le bouton Home ici, qui permet toute une sélection, et l'écran carte en fait partie. Donc si j'appuie sur Home, on retourne un petit peu à la maison, et on se retrouve avec tout un tas d'options. Alors on n'a pas nous le trafic là, on n'a pas la météo, parce que ça n'existe qu'aux États-Unis. Et évidemment on n'a pas démo, puisque démo c'est vraiment le propre simulateur que j'ai actuellement pour faire cette vidéo. Mais cet écran, donc on peut ici un petit peu scroller avec son doigt. Alors si on ne veut pas le faire avec le doigt, il suffit de faire avec ces deux touches là, up et down. Pour revenir à la carte, il suffit d'appuyer ici sur Map. Les deux boutons qui sont importants sont les deux qui sont à gauche ici, Map et Défaut Nav. Défaut Nav est un petit écran qui va me permettre d'avoir quelques indications chiffrées sur mon trajet, avec la distance, la route à suivre pour aller en direct sur le point, le relèvement de ce point, et puis la route actuelle suivie au sol, ainsi que la vitesse. Ici, un CDI avec une barre de tendance s'affichera quand on fera une navigation. Pour revenir à la carte, la méthode de base serait d'appuyer sur Home et ensuite d'appuyer sur la carte. Hein, donc c'est ce que je vais faire là. Voilà. Je reviens à l'écran Défaut Nav. Il y a aussi un petit raccourci qui nous permet de revenir à la carte en cliquant dessus directement. Voilà, c'est très simple. Alors dans cet écran Home, il y a quelques autres indications. Il y a par exemple Terrain qui indique les reliefs les plus élevés en noir, en jaune ou en rouge selon qui sont sous l'avion ou proche de l'avion en dessous ou au-dessus. Il y a la possibilité de rentrer des plans de vol en VFR, ça peut être assez utile hein, pour quand on va assez loin. Ici des procédures, ça c'est plus pour l'IFR, donc l'avion n'est pas agréé IFR, donc ça ne va pas nous intéresser souvent. Et NIRUST qui est vraiment une bonne option, voilà, c'est celle que je vais montrer tout de suite, qui nous permet de choisir les points les plus proches. Donc par exemple l'aéroport le plus proche. Alors, je peux faire défiler la liste. Par exemple, je vois que pour aller au Luc, le Canet Army, donc c'est à 26 nautiques, un petit peu dans nos 8 heures là. La longueur de la piste qui s'affiche là, les moyens de navigation, des approches pour y aller. Donc, il suffirait de cliquer sur le Luc, par exemple, et d'appuyer sur Direct, et puis Activate pour nous rendre au Luc. La navigation qui se trace jusqu'au Luc. Dans cette partie Home, il y a encore quelques autres informations. Il y a Waypoint Info, ça c'est là qu'on va chercher des informations sur un terrain. Par exemple, si je suis en navigation de Cannes à Bordeaux et que je veux avoir une info sur la fréquence d'Albi, donc je vais cliquer sur Waypoint Info, Airport. Et puis ici, je vais sélectionner le terrain d'Albi. Donc NFCI. Bon, je le fais avec le clavier parce que je suis sur le simulateur, hein, pour que ça aille un peu plus vite. Entrée. Et là, j'ai plein d'infos qui apparaissent sur le terrain. Donc c'est actuellement à 212 nautiques, c'est un petit peu loin. Mais ce qui va surtout nous intéresser, c'est FREC. Donc si j'appuie sur cette icône, j'ai la fréquence de l'info, la fréquence de l'approche. Alors bon, attention, hein, il n'y a pas forcément une approche à Albi, mais. Bref, c'est peut-être Toulouse, et la fréquence de l'ILS. Si je sélectionne par exemple Albi Information, qui est sans doute une fréquence, il y a peut-être un AFIS ou une fréquence RR, je clique dessus et cette fréquence va se mettre en stand-by. Voilà. C'est ultra simple, et ça permet de se sortir de certaines mauvaises passes. La fréquence de l'ILS, c'est la même chose, si je clique dessus, elle va se mettre ici dans la partie radio-navigation. On a évidemment quelques autres infos que vous explorerez, la longueur de la piste, un petit dessin du terrain, le balisage, quelques infos ici sur la présence d'avitaillement. Bon, je vais revenir en arrière, on peut avoir des infos sur les vores, etc. On peut créer des points, par exemple les antennes de la Chasse, j'ai créé les antennes de la Chasse qui sont sous le nom de la Chasse. Donc pour ça,
il suffit d'aller chercher les points qui sont les plus proches, donc waypoint, par exemple user waypoint. Bon, là je ne l'ai pas fait dans le simulateur, mais on retrouverait les points qui ont été entrés. Je veux préciser par là que les points VFR ne sont pas dans la base de données. Il n'y a pas tous les Delta Romeo, Whisky Lima, etc. Donc soit il faut se trouver CD de la carte, soit créer des points. Il y en a quelques-uns qui sont créés autour de Cannes, ceux qu'on utilise le plus souvent.